Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais adresser, vous savez que j'aime très rarement m'adresser ou bien parler d'autres personnes parce que je pense que I got enough drama in my life, you know, to talk about other people. J'ai trop de choses dans ma vie qui se passent pour parler d'autres personnes. Mais parfois, je pense que c'est nécessaire. Donc, cette conversation que je suis en train d'avoir avec vous là, je pense que c'est nécessaire. Donc, j'ai rencontré une dame l'autre jour. Elle me contacte. C'est une dame qui a de l'argent, hein. C'est pas comme si elle est pauvre. Elle me dit que ça fait 20 ans qu'elle a un gourou. Je vais me l'appeler comment? Je ne sais pas si elle veut dire gourou, je ne sais pas si elle veut dire maître, je ne sais pas si elle veut dire. En tout cas, il y a un homme qu'elle dit être son guide spirituel. Et voici ce que l'homme dit qu'il fait pour elle. L'homme la jeûne pour elle, parle à ses ancêtres pour elle. Chaque mois, elle doit lui envoyer l'argent pour qu'il parte donner aux ancêtres, aux esprits. Même les bains de sel, il dit qu'elle n'a pas besoin de faire. Bon, elle tombe sur ma page. Je vais me bénir d'abord tout ce que je vais dire par la puissance du Saint-Esprit. Et je demande que vos ancêtres, l'ange Michael, Raphaël, Gabriel, et tous les autres anges, qu'ils puissent ouvrir vos yeux. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre, discerner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le discernement d'esprit est très important. Tu peux même avoir un gars. Le gars dans ta vie, c'est seulement pour t'exploiter. Tu peux avoir une femme qui t'exploite et te manipule. Tu peux avoir un guide spirituel qui t'exploite. Donc la dame me dit, depuis qu'elle a commencé à regarder ce que je fais, non, l'homme là, c'est le facteur, Liliane, c'est le facteur, que depuis qu'elle a commencé à me regarder, elle lui dit que je vais aller prendre le sel, parce qu'apparemment, elle demandait tout. Tout ce qu'elle fait, elle peut lui demander. Voilà. Quand elle tombe sur ma vidéo, elle prend le lien de la vidéo, elle lui envoie. Il dit, ah, je peux faire mieux qu'elle. Elle lui dit que, mais ce que la femme l'a dit est pertinent, non? Il dit que, mais toi, mon moussier, où tu es seulement? En tout cas, je veux en fait démanteler l'ensorcellement sur lequel certains d'entre vous êtes. Certains d'entre vous êtes envoûtés. Je précise bien, je pèse mes paroles. Pas dans des pasteurs, des coachs. Je ne vais nommer aucun coach. Mais il y a des coachs qui vont te parler. Ouais, tu n'as pas besoin de personne. Tu es maîtresse de ta vie, tu es ta propre boss. Un homme, pour que l'homme vienne dans ta vie, il faut que. Et la personne est mariée. La personne qui te parle et te dit que oh, tu n'as pas besoin de l'homme là est mariée. Mariée avec ses 5 enfants. Parfois, on avait 2 enfants. Elle me dit donc que quand elle a voulu acheter le sel chez moi pour se laver avec, il lui dit que non, il aura cache d'esprit. Tous ceux qui sont là venus me voir, écoutez, je sais que je ne suis pas la première personne que vous battez. Et je vous dis même encore, cherchez, parce que pour me parler, d'abord, c'est un peu évident.
Si quelqu'un vient me voir et me dit, wow, j'ai là pour telle personne qui m'avait donné quelque chose. Je dis, fais pour lui, finis pour lui, tu fais ma part. Toi-même, tu auras le discernement pour voir. Ayez le discernement. Je ne vais pas me mettre ici et vous dire, wow, suivez-moi seulement, suivez-moi. Mais il y a des personnes que vous suivez en ligne que vous devez arrêter. Il y a des personnes qui vous, que spirituellement, wow, c'est la personne c'est qui me guide. Quand tu veux même, est-ce que j'épouse le gars-ci? C'est la personne-là que tu appelles. La personne connaît que si tu épouses la femme-là ou tu épouses le gars-là, tu vas diviser l'argent que tu lui donnais par deux. Tu vas diviser l'argent que tu... Ça fait 20 ans que l'homme-là dirige la femme-là. Elle ne manque pas de confiance en soi. Elle est téléguidée. La personne connaît que, si elle suit mes vidéos peut-être, il lui dit qu'il est parti s'installer ailleurs. Donc, genre, je quitte Doha là, je te dis que, ma chérie, je suis parti m'installer à Badjoun seulement pour prier pour toi. Donc, matin, midi, soir, moi, je prie pour toi. Jesus is Lord. Guys, like, you know what? It's just freaking me out, man. Ça me fait même... Like, seulement moi là, donc toute ta vie c'est moi. Non, pardon. Please, live your life. Mm. Liliane, écoutez, c'est facile de parler. Checkez votre vie. Vous allez voir que il y a quelqu'un quelque part qui vous manipule. C'est facile de dire qu'elle manque de discernement. Vous n'allez même pas la juger. Et quand j'ai commencé avec elle, je n'ai même pas fait genre, arrête avec lui, non. Quand quelqu'un est plongé dans quelque chose, parle comme tu... Le pire même encore, c'est de faire... Tu vas parler, dire que... Oh, elle m'a dit que... Parce qu'elle est encore sous l'emprise de la personne. Elle m'a dit d'arrêter avec toi. Elle m'a dit de ne plus te parler. C'est comme si un homme et sa femme ont les problèmes, non? Tu viens, tu vois comment il menace la femme là depuis. Elle a arrêté le col, elle a... Tu viens, tu dis à la femme que tu n'as pas en cachette. Ton mari là, ne veut pas ton bien, ma chérie. Il va lui faire l'amour dans la nuit là, il va tout dire, tout ce que tu lui as dit. Demain l'homme là va te regarder comme ça, que ne passe plus chez moi. Tu vas gâter mon mariage. Hey Seigneur. Tu dis que je voulais, I was just trying to help, you know. Je voulais seulement aider. C'est calé sur ta tête. Et moi, je dis toujours, moi, j'ai plus de chats à fouetter dans ma propre vie. Hein. Like, que tu sois ex, que tu sois... J'ai tellement de choses à faire dans ma propre vie. En fait, checker, il y a des petits signes. Quelqu'un qui dit qu'il va parler. Que non, tu n'as pas besoin de parler avec les ancêtres. Tu n'as pas besoin de parler avec les ancêtres. Je vais le faire pour toi. Et Eto, elle rêvait voir ses ancêtres. Oui. Exactement. Il y a les directs qui capturent les ongles des personnes. Soyez très vigilants. Il y a des chaînes ici là que ne t'assois pas seulement comme ça là. Maintenant, ils ont plusieurs formes. Il y en a qui vont venir te dire que je suis pasteur. Du coup, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois aller dire au pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut coucher ensemble aujourd'hui? Pasteur, est-ce qu'on peut... Enfin, de coucher ensemble, c'est même l'ultime. Oui. Oui, papa. Et vous devez... moi, je dis, moi, je bloque beaucoup les gens ici. Donc, si tu arrives, tu veux perdre ton Decepticon. Un Decepticon, c'est quelqu'un qui croit que... qui est habité par un esprit, lui-même, il ne connaît pas. Par un esprit qui veut nuire aux autres, à d'autres personnes. Et il vient sur ma chaîne, il veut faire un peu genre, il connaît. Il fait comme s'il maîtrise. Voilà. Toute personne qui veut trop le monopole de ta vie. Tous ceux d'entre vous qui sont venus me voir, wow, même si on est en consultation, que... ouais, je fais comment pour la personne, si alors ouais, je fais comment. Si vous écoutez bien mes enseignements, hein, je vous apprends à avoir
l'indépendance spirituelle. Je ne gagne rien quand vous êtes accroché à moi. Oh. On n'a pas prié à 6 heures. Tu n'étais pas connecté pour faire la prière de 6 heures, la reine. La reine, je fais comment? Regarde, ils m'ont dit ça et cela à 11 heures. Je t'appelle depuis 11 heures, il est 14 heures, tu ne m'as pas encore répondu. Non. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup, vous aimez tout qu'on vous dise ce que vous devez faire. Chacun d'entre vous a Dieu en lui. Tu as ton compas, tu as ta boussole dans ton cœur. Quand tu m'écoutais, je viens seulement confirmer ce que tu savais, ce qu'ils t'ont enseigné dans la nuit. Donc ne crois pas que c'est. Non. Quand quelqu'un me contacte, il me dit, oh, je suis désespéré. Va te laver avec le sel. Étape 1. Prends même déjà les kits, tu commences à faire ton travail. J'ai des gens qui commencent à faire ça après eux-mêmes, seuls. Ils me recontactent. Que maman, j'ai fait même 40% de mon travail seul à la maison. Parce que quand vous dépendez de quelqu'un, quand vous dépendez, vous ne pouvez même pas avancer dans votre propre vie. Quelqu'un te dit qu'il quitte sa ville pour aller vivre dans une autre ville parce qu'il veut prier pour toi. Que matin, il me dit, soit il est derrière toi. Ah. Même s'il faut faire les incantations, il va faire les incantations pour te guider, pour t'envoûter. Que tout son argent, c'est qu'à moi. Dès que je dis A, elle va donner. Dès que je dis B, elle va donner. Dès que tu veux prendre un produit. Tu partais toi-même pour suivre le prophète là comme ça, pourquoi? Vous avez dit, vous qui voulez me voir chaque jour là, allez regarder mes vidéos. J'ai plein de vidéos ici en ligne. Regarde les vidéos. Les vidéos vont t'aider. Maintenant, si vous regardez mes vidéos, hein, ceux qui me suivent, peut-être ça fait peut-être 2 semaines que tu me suis, remontez sur ma chaîne YouTube et Facebook. Je faisais des vidéos depuis 2016. Et c'était toujours le même discours. On a le potentiel en nous. Et ça, non, dès que tu fais quelque chose de courant avant toi. Si tu fais 1 semaine, 2 semaines, tu ne l'appelles pas. Tu commences à avoir les palpitations. Ton cœur fait un genre. Et là, il a mis la peur en toi, genre, si tu me quittes un jour, ce que tes choses vont plus marcher. Hein? Si tu me. Ce que tu. Ok. Je vous en prie, suivez les gens qui ont la transparence dans ce qu'ils font. Tous ceux qui sont venus me voir physiquement disent que mince. Tu es même encore mieux que ce qu'on voit sur le net là. Quand on te voit physiquement, tu es encore même mieux. Tu es encore mieux. Checkez les résultats des gens que vous suivez. Beaucoup d'entre vous, quand je parle, vous dites, ouais, c'est vrai, je veux. Mais après, tu peux encore suivre 4 autres personnes là-bas dehors. Il y a clash d'idées dans ta tête. Ta tête s'embrouille. Toi-même, tu restes comme ça, là, tu ne connais plus. Je vais vous dire que si ce n'est pas moi, ne me suivez pas, allez, prenez une personne. Qu'allez-vous bloquer vous dans ce que la personne enseigne. Mettez en pratique, vous allez voir. Ceux qui viennent chez moi, je vous dis toujours au début que. Attendez, moi, il va enlever ça, j'aime moi, mais non, c'est comme ça. Je vous dis toujours au début que. Va mettre le sel dans l'eau. N'achète pas mes produits, non. Je ne suis pas pressé pour que tu achètes mes produits. Lave-toi toi-même. Quelqu'un m'a donné l'astuce aujourd'hui que. Oh, l'astuce de la cendre sur le corps, de se laver avec la cendre là. J'ai fait ça. Après, j'ai commencé. J'avais déjà saigné le premier. Voilà, on est depuis du 16 au 23, j'ai encore saigné. Il y a certains esprits qui sont dans votre utérus, dans votre trompe. Ça sort. Peut-être c'est un kyste qu'on n'a même pas découvert depuis là, qui est en train de se décomposer pour sortir.
Si tu écoutes ce que je dis, tu mets en pratique une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu vois comment tes choses commencent à marcher. Là, tu es plus convaincu de venir prendre un produit de chez moi. Fonctionnez toujours avec les gens qui ont la transparence. Moi, je vous donne un indice. Il y a une grande coach qui est venue sur Cameroun une fois. Il y a une femme qui a laissé son mari à la maison. Elle est partie suivre la coach. Maman, j'essayais même de réparer leur couple le temps là. Elle a payé peut-être 50 000, elle n'est pas. Elle revient. Moi, je suis une bosse. Il croit même que quoi? Maman, c'est qu'on a mis la tête de la femme là-bas. J'ai regardé ça, moi, j'ai dit que je ne suis pas peut-être obligé d'adresser, d'indexer forcément un coach ou une coach. Mais, et le discernement. Ouais, il croit même que quoi. Mon mari là croit même que quoi. Et je vais lui montrer. Moi, je suis aussi une bosse. Je suis aussi. Je dis, mais. Je dis, non, je suis arrivé même là-bas. J'ai exposé mon problème. Hein. Ils m'ont dit de quitter l'homme là. Non, que cet homme là ne. Et clash de trucs. Elle était venue payer. À l'époque, c'était peut-être en août de l'année passée ou septembre. Elle était venue payer la consultation chez moi. La même période, là, il y a la coach qui arrive au Cameroun. Elle est rentrée avec la colère dans son cœur. Et que la personne, la coach, elle est mariée, non? Elle dit oui. Mais son mari, il est différent. Il dit arrête, ma chérie, arrête. Arrête. Non, tu sais, moi, hey, est-ce que vous pouvez parler, comprendre? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu m'as payé pour que je te dise la vérité. Non, je vais te dire la vérité crue, cash. Après, tu pars, tu fais ce que tu veux. Et c'est important parce que vous aimez quand on vous caresse dans le sens du poil. Vous aimez ça. Mais remarquez qu'il y a des gens qui aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Tu as un mauvais caractère à la maison. Tu te comportes mal. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on vienne te dire que, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Il a ouvert 3 business, tu es parti, tu as fait ça, foiré. Prends-toi l'évidence des choses, ma chérie. Il y a quelque chose avec toi. Something is wrong with you. Moi, je ne vais pas vous mentir. Vous avez beaucoup de personnes qui parlent dans vos vies comme ça, là. Tu es là, quelqu'un est dans son pays là-bas, dans sa diaspora là-bas, ne connaît pas tes réalités que tu subis ici en Afrique. Et la personne vient te donner les conseils, conseils. Non, 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 lui, là, laisse-le même. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit avec les fruits de la personne. Bonjour, bonjour. Avant de tout gâcher et de tout bousiller dans ta propre vie, que tu suis les conseils de tel coach, de tel pasteur. Je ne vais pas vous dire le nombre de pasteurs qui ont séparé les familles ici dehors. Comme ton père ne vient pas à l'église, comme ton mari ne vient pas à l'église, ça veut dire qu'il est du diable. Tu vois là, tu commences à développer l'animosité avec ton mari. Que ça commence, comment est-ce que tu pars quelque part, tu t'assois avec un homme que tu. L'homme là t'a doté, le pasteur là t'a doté. Le pasteur là t'a doté. Quelqu'un est parti te doter au village. Quelqu'un est parti t'a épousé. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble.
Tu viens en ligne, tu tombes sur un coach. Toi, voilà, tu pars, tu quittes la personne. Hein? Non, non, moi, tu n'es. Parce que quand vous écoutez, on met les idées dans votre tête. Là que vous m'écoutez, je suis en train de mettre les idées dans votre tête. Soyez vigilants. Quand tu entends tout ça, tu vas le faire. Assure-toi que c'est ce qui va te construire. C'est ce qui va te construire. It's going to edify me. It's going to save my marriage. Tu peux réussir seul. Tu peux réussir seul. Tu n'as besoin de personne. Hein? Tu n'as besoin de personne. Te voilà aussi. Tu rentres à la maison. Il n'a besoin de personne. Ah. Ils vont venir, vous allez courir, partir les voir. Oui. Ils voulaient qu'on couche ensemble. Moi, j'ai dit qu'on ne couche plus ensemble. Vous vivez sur le même toit depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ma chérie. Tu vois, je te lève un beau matin comme ça, venir lui dire qu'on arrête tout ça parce que j'ai dit que Jésus a dit que. Ouais, Seigneur. Tu vas me choquer, l'homme-là. C'est ça, tu as envoûté. Et les hommes aussi, faites attention à ce que vos femmes écoutent. Parce que la femme est facilement détournable. Elle est facilement détournable. Moi, ça m'a parlé, ma part. Hein. Après, là, maintenant, vous faites ce que vous voulez. En suivant les gens, suivez ceux qui ont les résultats jusqu'à. Je vous ai tout dit que toutes mes choses, je mets d'abord sur moi-même, je vois comment ça marche. Après, viens vous dire que l'autre, s'il a épaté, fait ça. Bonjour, le roi Feuillot. Bonjour à tout le monde. Tu peux écouter quelqu'un comme ça là. Tu écoutes la personne 2 semaines, tu gardes tout ce qui est autour de toi. Tout. Tout. Parfois, certains de vos mariés, ils ne sont pas mauvais. Ils ont seulement besoin que tu connais ton mari, tu connais comment le flatter. Tu connais comment t'assois, tu le parles que B. Tu prends même 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, tu jeûnes pour B. Jeûnez pour vos B, non? Parce que Dieu va te donner quelqu'un, un matériel, like your husband material will not be ton mari que Dieu va te donner. Il ne sera pas complet. Parce que quand vous allez vous rencontrer, vous allez commencer quelque chose ensemble de nouveau. Attendez, vous allez attendre ici, là, j'arrive. Je vais chercher le chargeur. Si il revient, c'est éteint, c'est que ça s'éteint. Attendez ici. Oh, les décepticons, je suis pas là pour une minute.
vous en profitez pour faire, pour venir faire vos trucs sur ma page. Pardon, laissez la personne qui ne veut pas comprendre qu'il faut taper sur les... Laissez-les, pardon. Je ne supplie pas les gens pour qu'ils me contactent, pardon. On va faire comme ça, là, quand la personne va t'écrire, tu vas lui donner un produit pour utiliser, elle va venir te prendre une heure de temps pour que tu l'expliques le produit. Non, il faut laisser. Laissez, si elle ne veut pas, vous les laisser. Si vous n'utilisez pas votre discernement, vous allez mettre beaucoup de temps avant de voir certaines manifestations. Vous allez... Ça m'arrivait avant, je me rappelle. J'étais en ligne, je suivais peut-être deux, trois coachs. Mais il y a deux en particulier, des femmes. Chaque fois que j'écoutais les femmes là, ça m'incitait à... Parfois être désagréable avec la personne avec laquelle peut-être je sortais à ce moment-là. Tu vois, moi, tu regardes, on te dit, ouais, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. Mais dans ta mental, dans ton cœur, tu commences à te dire, voilà, tous mes ex, c'était des connards. C'est moi qui suis la meilleure personne du monde. Tu vois, genre, tu n'as rien à revoir dans ton caractère. Ce sont eux qui doivent changer. Les mentalités comme ça.